projet consiste en équipe de 11 préposés moniteurs qui sont présents dans nos 11 centres d'hébergement au sud du nord de l'île de Montréal. Ils sont présents à raison de 1 par centre d'hébergement. Ils sont présents du lundi au vendredi, environ de 6h à 20h, et ils supportent toutes les équipes de jour, de soir, de nuit qui ont à faire de l'intervention auprès des résidents et donner des soins. Moi, il y a quelques années, quand je suis rentrée ici comme préposée, je trouvais ça plate parce qu'il n'y avait pas personne, on n'avait pas de ressources, on n'avait pas quelqu'un sur qui compter, nous épauler. Donc maintenant, les préposés moniteurs sont vraiment à l'accueil des nouveaux préposés aussi. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils ont des outils, on donne des formations, on donne des capsules aussi d'informations et puis on est toujours avec eux sur le terrain. On souhaite rehausser les connaissances de nos préposés en général parce que les besoins, les soins aux personnes âgées sont de plus en plus complexes. On a des besoins qui sont multiples. C'est une expertise en soi. Ce projet-là vient valoriser le rôle du préposé aux bénéficiaires parce que le préposé moniteur est un rôle, un modèle en termes de connaissance de l'expertise, de l'intervention auprès du résident, la connaissance du milieu. Ils font partie de l'équipe interdisciplinaire et exercent un rôle, un leadership. Je vois beaucoup de changements dans le travail des préposés au niveau du coaching et tout ça. Les préposés viennent me voir et me disent qu'ils sont beaucoup plus outillés. Ils sont vraiment fiers du travail qu'ils font. Et les résidents aussi viennent me parler que leur qualité de vie en CHSLD est beaucoup mieux.